Ça te dérange, je veux couper quand je fais une vidéo. Hein? Toi qui veux pas être filmé, est-ce que t'as un truc à dire? Hein? Non, non, mais... Allez, c'est pas arrivé, on est là. Allez, suivez vos manettes. Laurence, Sabrina, Carole, la gazelle au Saloise et la fragile de la gazelle, Karine. Pas de jambes de bois, il y a des mouilles, mais ça ne se voit pas. Je viens de faire des blagues à des étrangers. J'ai fait un bide de complet. Je resserrerai l'année prochaine. Des gens du Nord, du Garlin. C'est du Nord, Carlin, au-dessus de la dos. Allez, c'est parti. On va au campus, alors je crois que c'est ça. Je crois. On verra. Bon, et là, c'est Philippe et Carole, ont dû redescendre. Donc ils vont balader à la station. Donc là, on continue. On continue la boucle. Et la casquette rose est toujours là. Ça va, casquette rose? Bah, si tu tombes, essaye de faire tiens, un truc un peu original. Yeah. Allez, petit cabri. Mais oui, c'est ça. En termes de probabilité, sur 4, il y en a au moins une qui fout le pied dans l'eau. Hein. Parce que là-bas, c'est tout beau. Allez, allez, petit cabri, vas-y, c'est rien pour toi, ça. Et quand il vient faire un plouf, venez là, c'est là qu'il est beau là. C'est là. Allez, je te pose un ravitaillot au lac de l'eau. Bon là, il y a Laurence qui nous a expliqué qu'en fait de compte. Ah mais regarde, il y en a un petit chariot en bas là. C'est ça. Hein? Ah ouais.
Qu'en fin de compte, on est sur les vestiges d'une ancienne mine de fer. Et ça, c'est une maison, là. Bah ouais, il devait y avoir des bâtiments. Ah, et ça, c'est la mine, là. Et ouais, c'est l'entrée de la mine, là-bas. Ah. Il y en a une autre, peut-être, en haut. Enfin, je répète ce que dit Laurence, parce que sinon, j'ai horreur de ne pas savoir, en fait. Donc, vous l'entendez pas, alors donc vous faites comme si c'est moi qui savais, ok? Très important. Là, on peut pas rentrer. Où tu vas? Il y a un trou là du tout. Non, c'est pas à l'entrée ça. Ah ouais, peut-être. Donc voilà. Tu peux nous dire qu'il y a des vestiges gallo-romains. Tu peux nous faire plein de choses, hein. Ah oui, pas longtemps, hein. Juste de passage. Moi, quand on remet en question mes qualités de guide, ça me... Moi, je suis là, j'ai envie de tout plaquer, allez. Non, c'est par là. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, superbe. On s'attend pas à trouver ça ici là. Donc, on pense que le Sanctus c'est celui-ci. C'est une priorité. D'abord on va aller au lac du Zou, qui est là-bas. Et ça va aller. Petit passage. Hypochromatique. Ah, ça pique. Quartier. Oh putain! Oh non, je suis en train de tomber, je vais plus. Là, on voit l'avant-fond le plus humide de New York, l'observatoire. Oh là là! Ah ouais, c'est magnifique! Là, c'est grandiose! Grandiose! Ça se gagne, hein! Allez, nous voilà dans la montée du Sanctus. Bon. Ok, donc là on laisse
le pic de Saint-Cruz derrière nous, on redescend notre bourrette en passant par ces deux petits lacs qui portent le même nom. Alors je comprends mieux pourquoi, parce que je sais pas ce que quand ils sont bien prêts, ils vont se rejoindre. Ce sont les lacs de l'Ouest que je parle, ça ne peut pas me tromper. Et voilà, on est à la hauteur des premières neigées. Allez, je pense que ça fait du bien à tout le monde de redescendre un peu. Attention, comme on dit, le souffle va monter, on se blesse dans la descente. Allez, voilà, on arrive à... Alors je sais plus, bon, au niveau des lacs, là, je sais plus. Bon, je vais encore dire que c'est l'Ouest, mais bon, ça fait trois fois que je le dis. Ben, je sais plus. Ah oui, oh, la manque. Ah, excellent. Excellent. Eh, je l'ai fini. Je l'ai fini. Ouais, elle va être bourrée sur la gauche. Ah, c'est excellent. Ah oui, c'est bien, hein. Elle a pas trop peur, hein. Et là, là, je crois que je dois avoir son petit souffle, ça y est. Ouais, on va essayer de prendre un petit peu de côté. Ah, oh, tu vas aller paniquer, tu sais. Non, elle grignote, je sais pas qu'est-ce qu'elle mange, hein. Je sais pas si vous la voyez sur l'image. Mais, Allez, elle va aller chercher, hop. Elle doit avoir son trou sous le rocher. On va vous mettre en bas là. Merci beaucoup de ça. Parce que vous avez peut-être un peu de mieux là tout à l'heure. C'est un bouton, c'est magnifique à montrer. Ça va discuter aussi. Tout va bien. Écoutez, si vous n'avez pas vu, j'aurais pas. Donc là, vous voyez, il y a les gens là à côté qui m'ont fait découvrir. Que les smirtilles, ça ressemble à ça. Et c'est trop beau. Bon, en fait, je vais rester là. Allez, ciao. Et voilà, quand on vous être fait de cette boucle, bravo Karine, bravo, t'as serré les dents, bravo. Ça va? Vous étiez bien là? Ouais. Chapeau. Chapeau, chapeau. Bravo, bravo, bravo. Ah non, non, assis. Oui, mais t'es brûlé, mais parce que, mais non, tes pieds sont qu'à 50 cm du sol là, tu sais. C'était officiellement le moment le plus dangereux de la rando. Du dimanche, parce que c'est tout fort. Bon, allez, eux les deux prix, ils ont déjà mangé. Voilà, c'est le tir, c'est le tir. Salut, c'est vous. Je me suis demandé si ça n'avait pas fait exprès d'ailleurs. Ouais, la santé des handicapés. La santé des handicapés.
stranger. What's with your behavior? Ooh.